Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane alias Lot Demoiselle. On me retrouve avec ce même pseudo sur Instagram et Ravelry également. Aujourd'hui on va parler laine et on va surtout parler chaussettes. Je vais revenir sur les différentes paires que j'ai pu tricoter pour moi, parce que voilà, j'ai pas repris celles que j'ai tricotées pour mon chéri ou pour mes garçons. J'aurais pu vous parler du patron, mais après je peux pas vous parler de la tenue, de la chaussette, c'est eux qui les portent. La seule chose que j'ai, eux sont bien, voilà, c'est tout. Donc bon, j'ai préféré revenir vraiment sur les chaussettes que j'ai tricotées pour moi et que j'ai portées déjà depuis un moment. C'est pour ça que je me suis arrêtée aux chaussettes que j'ai tricotées jusqu'en 2020. J'ai tricoté pour l'instant en 2021 que 3 paires, mais je les ai quasiment pas portées cette année. Donc voilà, je préfère prendre celles où vraiment j'ai du recul et que j'ai pu les porter. J'ai pris des notes pour essayer de ne rien oublier, pour voilà, pour revenir un peu sur toutes ces paires de chaussettes, parce qu'on me demande beaucoup avec quel modèle commencer, plutôt par la pointe, plutôt par les côtes. Voilà, donc je me suis dit que c'était sympa de revenir sur toutes mes chaussettes. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui n'étaient jamais passées en podcast, donc c'était le moment. J'ai rangé toutes mes chaussettes dans ce panier-là. En fait, c'est le panier dans lequel elles sont rangées habituellement, mais là, j'ai quand même essayé de les mettre bien. Je les ai mis dans l'ordre aussi que je les avais tricotées. Donc on va commencer par ici et on va finir là. Donc si j'ai bien calculé, il y en a 11 paires aujourd'hui à vous présenter. Alors, la première paire de chaussettes, c'est souvent, voilà, on me demande, mais avec quelle paire de chaussettes? Alors moi, je ne sais plus pourquoi j'avais choisi ce modèle-là, mais bref, moi, j'avais pris un modèle sans savoir, donc je les ai tricotées en septembre 2016. C'est le modèle Les Sockets de Ginette d'Audrey Colette. Il me semble qu'on dit quand même, oui, Colteux, je pense, plutôt, pas Colette, il n'y a pas de T. D'Audrey. Il s'agit de un petit bout de laine, il me semble, sur les réseaux sociaux. Et donc, bon, je vous montre la chaussette. Donc, voici la chaussette, la première chaussette que je me suis tricotée. Sans jamais avoir fait de chaussette avant, c'est le premier modèle que j'ai fait. Donc c'est un modèle disponible gratuitement sur Ravelry en français et il est toe up, ça veut dire qu'il se tricote de la pointe aux côtes. Et souvent, c'est souvent ce qu'on dit, le premier modèle de chaussette qu'on choisit, c'est souvent la construction qu'on va préférer. Et moi effectivement, ça fonctionne pour moi, j'ai commencé par une chaussette toe up et j'ai toujours préféré les toe up. Donc c'est une chaussette qu'on commence donc par la pointe, une pointe classique, et ensuite donc forcément hein, comme toujours ici c'est du jersey en droit pour le dessous du pied, et au dessus on a juste des mailles en vert avec, vous voyez, des jetés et juste quelques mailles en droit, voilà, et c'est en quinconce, il me semble qu'on dit, bref voilà, en décalé hein, vous voyez bien. Donc voilà, c'est ma première chaussette, ce sont donc des sockets, hein, elles ne montent pas très haut et puis j'ai fait des côtes normales et un rabat qui est ma foi assez élastique et m'a l'air... Ah non, j'ai dû faire un rabat élastique, j'ai dû faire quelque chose, c'est pas le rabat normal. Moi je sais plus comment j'ai rabattu. Enfin bref. C'est ma première paire de chaussettes. Alors je les avais tricotées avec une laine auto-rayante que j'avais trouvée à la lainière de Oisem. C'est de la laine flotte soc. J'en ai encore et j'ai jamais réutilisé mon reste, mais il faudrait que j'utilise parce que je l'aime beaucoup. Elle est un petit peu sèche comme laine, mais elle a super bien tenu parce que je les ai beaucoup portées depuis 2016 et vous voyez la laine, c'est vraiment nickel. Franchement, il n'y a rien à dire, la laine elle a super bien tenu. Ah, quand je regarde, c'est un talon. Et c'est un talon en raccourci. Et ben comme quoi, je m'en souvenais pas. Ouais, alors là, je vous montre le talon pour voir le vieillissement de la laine. Mais franchement, c'est vraiment nickel quoi. C'est vraiment chouette. Hop, et en dessous du pied, ouais non. Donc vraiment chouette la laine. Et le modèle, quand je regarde mes notes sur Ravelry, que j'ai marqué que c'était très bien expliqué, qu'il y avait apparemment des liens vers des vidéos. Donc voilà, moi j'ai pas eu de difficulté, c'était ma première chaussette et ça s'est bien passé. C'est vrai que j'ai pas un mauvais souvenir de la chaussette.
J'ai pas un souvenir d'avoir bloqué dessus, d'avoir eu du mal à la faire. Non, ça c'était très bien fait. Donc voilà, ça c'était mon premier modèle de chaussettes tricotées et que je porte encore toujours maintenant. J'aime beaucoup les porter, même si c'est des sockets. Moi je les porte en hiver, et ça me dérange pas du tout. Même si mes chaussures remontent un petit peu, mais bref, moi non, ça me dérange pas et j'aime beaucoup. Voilà. Alors, le deuxième patron que j'ai tricoté, il va falloir attendre un peu plus de 2 ans pour que je les tricote. Allez savoir pourquoi. Mais c'est en mars 2019 que je me suis relancée dans une autre paire de chaussettes. Et cette fois-ci, ce sont les fameuses Hermione's Everyday Sock. C'est un patron gratuit, disponible en anglais à la base, mais il y a une traduction en français. C'est là aussi, encore une fois, une construction en toe-up. On commence par la pointe que moi j'ai choisi de faire en contrastant. Et là, la particularité de cette chaussette, c'est juste que c'est du pointe semi, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est du pointe semi sur le dessus du pied. Donc voilà, quelque chose de vraiment très très simple à faire. Et on a un talon à gousset en œil de perdrix. Oh, il est vraiment tout aplati mon talon. Ou il n'est peut-être pas renforcé. Si, ça a été renforcé. Et c'était. Ça m'a l'air d'être à œil de perdrix, mais alors depuis le temps, le motif n'est plus là. Alors, je vous remonte. Alors. Ah tiens, c'est vrai que je l'ai pas refait ce talon. C'est donc un talon à gousset en œil de perdrix, mais avec la particularité, vous voyez, d'avoir 3 mailles là de points mous. C'est vrai que j'ai déjà vu dans d'autres podcasts ce talon-là. Moi, je me souvenais même pas de l'avoir fait. Donc c'est le patron qui est, c'est le talon qui doit être expliqué dans le patron. J'avais suivi le patron à la lettre. Et c'est des chaussettes que j'ai beaucoup portées, que j'aime bien. Que j'aime beaucoup. Ah, on a des rangs raccourcis là en dessous, mais c'est fort en triangle. Ah, ça fait un talon fort, fort pointu quand même, mais pas très rond. Ça fait longtemps, je regarde plus, moi je porte mes chaussettes et puis sans faire attention à la construction. Et ensuite on a donc la tige et là cette fois-ci on a donc le point de semis qui se fait partout et puis on a des côtes et je me rends compte que j'ai fait beaucoup de côtes sur mes chaussettes et là oh, j'ai fait un rabat élastique aussi. Par contre, je pourrais pas du tout vous dire quel rabat j'ai utilisé pour faire ces chaussettes-là. Donc voilà, ça ce sont la deuxième paire que j'ai faite. Le modèle n'est pas très compliqué. Le talon, vous voyez, il est différent de l'autre. Et c'est vrai que faudrait que je réessaye ce talon avec les fameuses 3 petites mailles de chaque côté en point mousse. Pour la laine, c'est de la Madeleine et Philibert que j'avais acheté au fil de la manche, il me semble. Ouais, c'est tout, hein, c'est ça, au fil de la manche. Et c'est pareil, je les ai énormément portées et elles ont très bien vieilli sans problème. Vous voyez? À part le fait que sur le talon il est fort usé, mais c'est pas pour autant que ça soit feutré ou que j'ai dû rafistoler. Donc vraiment, j'en suis contente. Donc voilà, ça c'est ma deuxième paire que j'ai tricotée et que j'aime encore beaucoup porter. Et la longueur, ça me convient. Cette longueur de tige me convient parfaitement. La troisième paire. Alors, entre deux, j'ai dû faire des chaussettes pour mes garçons. Voilà. C'est pas. J'ai dû en refaire pour mes garçons. Je suis pas. J'aime bien porter les chaussettes, mais c'est pas ce que je préfère tricoter. Donc, j'en tricote rarement beaucoup à la suite. Je fais souvent des pauses. Mais sinon, j'en fais quand même pour mes garçons entre deux parce qu'ils aiment bien. J'essaye de leur en tricoter une paire par an. Comme ça, ils sont contents. Et je me rends compte que cette année, on est arrivé au mois de juillet. Je leur ai pas encore fait leurs chaussettes cette année. Donc, il va falloir que je m'active un petit peu. Donc, la troisième paire que j'ai faite pour moi, c'est encore le même modèle. Ce sont des Hermione's Everyday Sock. Je les avais faites parce qu'il y avait le club des chaussettes de tricoteuses qui c'était sur Ravelry. Et au mois d'octobre, il fallait la zone de confort. Ah oui, voilà, c'est ça. C'était septembre, octobre. C'était la zone de confort, je me souviens. Donc moi j'avais repris en zone de confort un patron que j'avais déjà utilisé, les Hermions. Donc toujours pareil, une construction par la pointe, toujours le point de semis. Par contre là j'avais fait le Fishkill's Heel en talon. Donc c'est un patron de talon en rang raccourci qui est payant, qui coûte un petit peu plus d'1 euro sur Ravelry.
qui très simple, bon, qui est simple à faire. Moi, j'ai jamais par contre réussi à retenir la technique. À chaque fois, j'allais revoir le patron. Le patron est être et il y a énormément de détails dedans. Il y a beaucoup de pages pour finalement pas grand-chose. Mais voilà, ça coûte 1 euro. C'était pas non plus. Voilà, c'est pas. Ça coûte pas cher. Je l'ai beaucoup tricoté le Fish Kissly Hill. Mais maintenant, je peux vous le dire, je ne le ferai plus parce que dans j'ai le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Et dedans, il y a un talon. Qui est en rang raccourci, qui est très bien expliqué, et que donc voilà, maintenant si je veux faire un talon, je ferai celui-là parce qu'il est encore plus simple que le Fish Kissly Hill. Mais c'est vrai que ce talon-là, on l'a beaucoup vu, je l'ai testé, j'avais beaucoup fait et j'aime bien le porter, ça me dérange pas. Donc voilà, là par rapport aux autres, c'est juste que j'avais fait ce talon-là parce que c'est beaucoup plus rapide à faire qu'un talon à gousset, et puis moi j'aime bien le rendu comme ça sur les chaussettes, j'aime beaucoup le rendu. Vous voyez? Quand on va avoir. Hop, alors que je vous montre comment je fais. Oui, là, ça fonctionne bien. Vous voyez, en fait, quand on fait un talon à gousset, c'est la partie surtout qui monte, qui est en contrastant et un petit peu en dessous pour l'arrondi qu'on fait en rang raccourci. Quoique ici, l'arrondi, il est fort, on fait beaucoup de rangs raccourcis, donc ça va, il y a encore une assez grosse marge. Mais il y a des chaussettes où ici, il y en a moins et ça fait vraiment quasiment que la partie là qui est quelques rangs en dessous qui sont en contrastant. Alors que quand on fait un talon en rang raccourci, on a vraiment tout ça qui. Je trouve que voilà, il y a plus de contraste en fait. C'est vraiment tout le talon qui est bien contrasté. Et moi j'aime beaucoup l'effet visuel en fait qu'apporte ce talon-là. Voilà. Et bah, j'ai refait encore beaucoup de côtes en haut. Alors, je sais pas si c'est le patron qui demande de faire autant de côtes. Je sais pas. Bon bref. Toujours est-il que j'en ai fait autant que sur la paire d'avant. Hop, bon, je jette après, je changerai tout. Donc ces chaussettes-là, je les ai tricotées dans la Long Yarn, leur base Yawol. Voilà, les deux couleurs. C'est la même base. Et là, ça a feutré un petit peu. C'est pareil, je les ai beaucoup portées, ces chaussettes-là. Ça a feutré un petit peu au niveau du talon. Mais voilà, sans plus. Après, depuis, ça tient très bien. Là aussi, je sens que c'est feutré ici. Mais ça s'est pas troué ou quoi que ce soit et ça tient bien et c'est toujours aussi agréable à porter. Donc c'est de la laine que je recommande également. Moi j'aime beaucoup la tricoter pour les chaussettes. De plus, la Yawol de Long Yarn dispose d'une petite bobine de fil à l'intérieur de ses pelotes pour justement venir tricoter le talon ou la pointe. Alors je pense qu'on peut. Je sais plus si en fait avec une petite bobine de fil. On peut faire les deux pointes et les deux talons d'une paire de chaussettes. J'en suis pas sûre. Mais en tout cas, ça permet en fait de doubler sa laine, de doubler les parties qui ont besoin d'être renforcées avec la laine. En fait, vous avez, c'est vraiment la même colorie que la laine. Hein, le fil est de la même couleur que votre fil de laine. Bon, bref, j'arrive pas à m'exprimer là. La petite bobine de renfort est exactement de la même couleur que la pelote hein, que vous avez acheté, votre pelote de laine, elle est dedans. Donc ça se voit pas après, c'est vraiment bien fait. Mais il me semble que c'est soit on fait les pointes ou soit on fait le talon. Ou alors faut faire une plus petite pointe parce que vous voyez, moi au départ, je faisais la pointe, elle est quand même assez grande. On pourrait peut-être faire plus petit, je sais pas. Mais je sais qu'on peut faire ces dedans et c'est vrai que c'est vachement bien. Ça permet de renforcer les parties délicates des chaussettes. Donc jusqu'à maintenant, après j'en avais peut-être fait dans l'autre sens pour les garçons, je sais plus. Mais voilà, pour moi j'avais surtout fait des chaussettes dans ce sens-là. Et la suivante, ah bah toujours dans les toe-up en fait. Bon, j'allais vous dire que je change de sens, mais non, non, non. Toujours dans le même sens. Donc celle-ci, bah je ne l'ai pas mis dans les mêmes ordres. Ah oui, bon, c'est pas là. Je les ai tricotés en. Alors moi j'ai marqué fini en août 2019, mais je me souviens plus parce que c'est un test que j'avais fait pour le magazine Voulez-vous. J'avais donc testé les chaussettes, comment elles s'appellent? Volupté parfumées qui ont été designées par Tisserin Coquet. Voilà la chaussette. Donc ce sont des toe-up toujours. On commence par la pointe. Et là, ce qui est vraiment très joli dans ce modèle, c'est que la dentelle commence très vite au niveau de la pointe. Et ensuite, on a toute cette dentelle sur le dessus du pied. Et hop, je vais vous montrer l'autre chaussette pour que vous voyez. Elles sont en effet miroir. Vous voyez, on a une chaussette droite et une chaussette gauche parce que là, on a la dentelle. Alors je sais jamais, je sais plus si on doit avoir la dentelle vers l'intérieur du pied ou vers l'extérieur. Enfin bref, vous voyez, elles sont pas centrées au-dessus du pied. On en a une plus à droite et une plus à gauche. Voilà. Et à côté, c'est juste du
jersey endroit, mais on a cette très jolie dentelle de fleurs, de feuilles. Oh, tiens, ça me fait penser à ma dentelle du pull à peine. Bref, ça y ressemble fort. Donc on fait la dentelle vraiment sur tout le long de la chaussette. Donc on a vraiment une très très grande chaussette que si je vous montre par rapport, hop, à celle-ci, voyez, on a vraiment une grande chaussette. On a un talon qui se fait agousser, renforcer. Là, on voit bien hein, les mailles qui ressortent là. Donc ça, c'est un talon renforcé. Et on a une seconde dentelle différente, alors qui vient là, hop, se prolonger du talon et qui vient se faire au centre de la tige derrière. Et on finit par des côtes. Un très joli modèle, je me souviens d'avoir beaucoup aimé les tricoter. La dentelle était très agréable à tricoter, c'était vraiment très chouette. Le rendu est vraiment très très beau, ça fait des chaussettes vraiment élégantes, raffinées. Mon seul, et c'est, mais il m'a fallu du temps pour le savoir, pour comprendre, c'est que je ne les porte pas beaucoup parce que la tige est trop haute. Voilà, moi finalement je me rends compte que des chaussettes, le mieux c'est ici, à peu près. Voilà, c'est. J'aime pas finalement quand elles montent trop haut, je pré. Voilà, c'est le maximum que en fait j'aime bien, ben, c'est celle-là. C'est cette distance-là. Et vous voyez, en fait, même maintenant, de toute façon, j'aurais pas fait. Maintenant, je ferai même plus court là, surtout au niveau des côtes, j'en ferai moins. Enfin bref. Je pense que j'avais respecté la hauteur de préconisée dans le patron parce que c'était un test et que de toute façon c'était la première fois que je faisais des chaussettes aussi grandes donc je me rendais pas compte. Mais oui, j'aurais préféré finalement les arrêter avant et je les aurais davantage portées. Je les porte un petit peu mais finalement pas beaucoup, pas autant que les autres. La laine, c'est de la laine Une Louve dans les Bois dans sa base à chaussettes. J'adore la couleur, elle est vraiment magnifique. Je les ai quand même portés, je vois que je les ai quand même pas mal portés parce que la laine elle est un petit peu usée au niveau du pied et au niveau du talon également. Mais voilà, sans que ça soit feutré ni troué, j'ai pas eu à rafistoler rien du tout. Donc ça a été très bien et elle est encore toute douce, la laine est vraiment très très agréable. Je crois que c'est sur mes gars, c'est les chaussettes de mes garçons que j'ai dû rafistoler des trous. Parce que quand eux, ils portent leurs chaussettes, ils les portent plutôt comme des chaussons. Et donc ils marchent beaucoup partout avec dans la maison. Et ils les abîment beaucoup plus vite que moi, j'abîme mes paires. Donc voilà, c'est un très très joli modèle. Mais juste pour moi, comment dire, ma façon à moi de porter les chaussettes, je les trouve trop trop hautes. Voilà, c'était juste mon seul regret à refaire ce modèle-là. Je les ferai plus petites. Ensuite, j'ai tricoté cette paire de chaussettes, je l'ai fini en janvier 2020. C'était aussi dans le club des tricoteuses de chaussettes. C'était en fait de faire des chaussettes en déca, il me semble, ou en fingering et mohair. Ça devait être quelque chose comme ça le thème. Et donc j'ai fait des chaussettes en fingering et mohair. C'est le patron Thunder Socks de Melody Hoffman. Donc, vous voyez, il y a des petites vagues là au point en maille en verre qui sont faites. On les voit pas forcément très très bien avec le choix de ma couleur. Ah, je vous ai pas dit, le patron avant, les veloutés parfumées, donc c'est disponible dans le magazine Voulez-vous, mais elles sont vendues aussi toutes seules au prix de 5,50 sur Ravelry et le patron est disponible en français. Voilà. Et là, les Thunder Socks sont vendus au prix de 6,90 €. Ce patron en français et en anglais. C'est un patron qui se commence également par la pointe en toe-up. Donc voilà, comme toujours. Et on vient donc faire ce motif de vaguelette bah, que sur le dessus du pied au départ. Et ensuite, ici, on le fait tout autour de la tige. Non. Le talon, je ne sais pas, j'ai pas noté. Alors, j'ai peut-être fait le Fish Keeps Heel. Par habitude et simplicité, parce que voilà, ça a été vraiment le talon que j'ai fait pendant un sacré moment parce que je le connaissais, c'était simple à faire, donc j'ai utilisé beaucoup celui-là. Et ça doit être celui-là que j'ai fait, puis voilà, ça se termine par des côtes, et puis j'ai dû faire un rabat souple, je ne sais plus lequel, franchement, je ne sais plus.
Alors, je ne savais pas ce que ça allait donner des chaussettes en mohair. Je l'avais jamais fait et je les porte beaucoup l'hiver dans la maison en mode un peu chausson. Voilà, les gros, quand il fait vraiment très froid dehors, qu'on fait une après-midi ou une soirée cocooning à la maison, bah franchement, j'adore les porter. C'est vraiment un plaisir d'avoir des grosses chaussettes comme ça, toutes douces, toutes chaudes. C'est un pur bonheur. Et parfois, quand il fait fort froid, je mets une paire de chaussettes et j'enfile celle-là par-dessus et c'est vraiment très très chouette. Voilà. Ces chaussettes-là, je les ai tricotées alors avec la laine donc, qui est colorée. C'est une louve dans les bois. À nouveau, j'aime beaucoup son color. Tous les speckles très colorés de la laine. Et j'ai utilisé un mohair, le Kitschik de Drops. Vous voyez, on ne le voit pas trop. Et en fait, ici, il est inexistant, quoi. Sous le pied. Les fils de mohair n'existent quasiment plus. Ça s'est voilà, ça s'est usé hein, forcément, mais ça reste un tricot quand même épais, douillet. Vous voyez ici au niveau de la tige, on voit quand même c'est beaucoup plus. Il est encore un peu présent. Mais forcément, c'est du mohair sur des chaussettes, ça s'est usé tout ça. Mais ça n'empêche pas qu'elle est quand même toujours très agréable à porter et que c'est toujours très chaud. Donc voilà, franchement, je. C'est parce que oui, ce serait à refaire en fait des chaussettes. J'avais vu le. J'aime beaucoup les chaussettes qui sont dans le magazine de Noël de Les Chevaux Solidaires de 2020. Ce sont des grosses chaussettes designées par Cécile de Que font mes mains. Et c'est dans la même un peu l'idée. Enfin, c'est fait avec une laine très poilue pour l'intérieur et puis une figurine pour l'extérieur. Et ça a l'air mais tellement bien et douillet et tout, je me suis dit que j'aimerais beaucoup en avoir une deuxième paire en fait, vraiment de grosses chaussettes bien chaudes, tout ça. Mais c'est le modèle de que font mes mains, il faut faire en fait au final 4 chaussettes et donc ça me rebute un peu. Donc je sais pas si un jour je me motiverai à les faire, sinon je pense que je referai une. Oh, je referai une. Une paire de chaussettes en mohair et là je me rends compte qu'à l'intérieur, regardez-moi ça, tout le mohair en fait il est passé là. Ah, je regarde jamais l'intérieur de mes chaussettes. Oh là là. Ah bon bah. Ouais, le mohair, ça vieillit pas bien. Hein. Non, les chaussettes, les pauvres. Et ces chaussettes-là, je les passe en machine. Hein. Pour l'instant, toutes celles dont je vous ai parlé, moi, elles passent en machine et il n'y a pas de souci. Attendez, je regarde dans l'autre. Hein. Ah, parce que là, en fait, au départ, c'est tout doux là. Et on sent qu'à l'intérieur, ça l'est moins. C'est plus usé. Oh, oh bah, regardez là aussi. Oh, tout le mohair. Oh là là. Ah ben. Waouh. Mais sinon, il est encore là. J'ai l'impression que si on dirait que c'est le mohair de l'extérieur qui est venu se coller à l'intérieur. Je sais pas. Ouais, c'est en dessous du pied. Donc, c'est parce que je marchais. Enfin, bref. Alors, ce modèle-là, je ne l'ai pas forcément aimé à tricoter. Parce que qu'est-ce que j'avais du mal. Ben, il fallait toujours faire attention aux vaguelettes, à ce qu'on faisait pour qu'elles soient bien faites et tout. Moi, ça m'avait un peu usé. De toute façon, il y a des erreurs parce qu'il y a des fois où je me suis trompée et ça m'avait fatiguée. C'est pas forcément la paire de chaussettes que j'ai le plus aimée, mais ça fait partie de celles que voilà, que j'en ai qu'une paire comme ça et je l'aime donc beaucoup, le côté très chaud, très douillet. Non, mais par contre, je savais pas qu'il y avait autant de mohair dedans. C'est rigolo. La paire suivante, toujours pour le club des tricoteuses de chaussettes, le thème c'était tricoter avec des restes. Donc j'avais trouvé ce modèle-là, ou c'était les filles qui avaient proposé plusieurs modèles, le Gently Ornately. Désolée pour mon anglais, de toute façon je vous affiche tous les noms. Hein. Donc voilà la paire de chaussettes que j'ai tricotée avec des restes. Donc c'est une paire de chaussettes qui à la base se tricote des côtes vers la pointe. Mais moi comme c'est pas la technique que je préférais faire, bah, je l'ai fait dans l'autre sens. Sachant qu'en fait regardez le motif il est vraiment tout simple. C'est juste qu'en fait bah, moi sur ma chaussette il est à l'envers. Il est juste inversé mais bon je me sais pas. C'est comme ça ne représente rien, c'était pas choquant du tout. Donc et comme c'était des restes en plus et que je ne savais pas. Jusqu'où je pouvais aller, ben, j'avais préféré donc commencer par la pointe. Donc j'avais utilisé comme laine. Hop, comme ça vous allez voir en fait la différence. C'est que c'est cette laine-là, une louve dans les bois, mais sans le mohair. Donc les couleurs sont plus vives, elles sont moins atténuées que ici avec le mohair, c'est un peu plus atténué. Hop, si je vous montre au niveau du talon, vous voyez là. Ici le mohair a atténué les couleurs et elles sont plus vives ici. Donc j'ai été contente d'utiliser le reste. Dans une autre paire de chaussettes et de voir le rendu de cette laine autrement.
Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, moi, je les ai faites par la pointe parce que c'est ce que je préfère faire. Donc, j'ai utilisé le reste de mon coiffe star que j'avais tricoté en big sock de Madeleine et Philibert. Donc, avec ce caramel, je faisais les petits jetés qui donnent la forme de vaguelette. Et puis, et on a toujours, vous voyez, deux rangs là de cette laine-là. Puis ainsi de suite. Voilà, comme ça, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu, la combinaison des deux ensemble. Ça rend bien. Et puis, ça n'a pas été compliqué à faire. Et puis, ça motive, ça rythme d'avoir des petites rayures. Et puis, j'ai fini par des côtes. Voilà. Donc bon, comme toujours, j'en ai fait deux. Cette hauteur-là de tige me convient parfaitement. J'aime beaucoup porter ces chaussettes-là. Voilà, faut que vraiment je me réfère à ça. À peu près, c'est ce que j'aime faire. Le talon, bah, je vous l'ai pas dit, mais comme à ce moment-là, c'était toujours le fameux fish tips kiss là. Donc voilà, le patron, il est donc gratuit. Il est disponible en anglais. Mais si vous avez l'habitude de tricoter les chaussettes, que vous savez faire la pointe, le talon, vous suivez juste après le petit diagramme. C'est vraiment pas très compliqué, hein, c'est vraiment très simple. Et la laine, elle a super bien vieilli. Je crois que c'est comme les Hermione. Ouais, voilà, c'est donc de la Madeleine Philibert comme mes Hermione. Et puis une louve dans les bois, c'est de la base, voilà, c'est de la base à chaussettes, hein, mérino et puis nylon. Et ça vieillit très bien. Et j'ai vraiment aucun souci avec ces laines-là. Ça a été très très bien. Et je les porte facilement. J'aime beaucoup les porter, ces chaussettes-là. Ensuite, après ça, j'ai découvert les laines auto-rayantes de la marque Le Bruit des Aiguilles. Donc voilà, donc là il n'y a pas de patron puisque de toute façon c'est surtout mettre en valeur la laine, les rayures de la laine. Donc on fait une chaussette tout en jersey, voilà. Donc je les ai commencées par la pointe, hein, forcément c'est ma préférence. Donc j'ai toujours acheté mes boulettes avec un contrastant. Donc là avec le contrastant j'ai fait ma pointe. Puis je suis venue voilà tricoter le tube normalement pour avoir les rayures. Ah oui, donc moi ce sont des boulettes, ce sont donc des laines où il y a un petit défaut dessus. C'est pas les coloris après qu'on peut trouver en boutique, il y a une petite différence. Sur celle-ci, je vois que j'ai voulu faire un talon à gousset en œil de perdrix. Voilà. Je sais plus où c'était, quelle chaussette là. Celle-là, je crois que j'avais dit le talon, il était fort pointu. Vous voyez ici, l'arrondi du talon, il fait juste ça et c'est fort arrondi. Et là, comme je vous disais, c'est quand même, il y a tout ça de rang, hop, hop, hop. Il y a tout ça de rang raccourci et c'est plus pointu. Je sais pas si vous allez voir la différence entre les deux talons. Vous voyez? Celui-là, il est plus pointu, celui-là, il est plus petit. Voilà. Et ça fait que le contrastant, c'est surtout, vous voyez, c'est juste là, puis ça s'arrête ici, quoi. Le contrastant, il se met que sur la partie montante du talon. Enfin bref, voilà, j'ai fait ce talon-là, et puis ensuite, bon, j'ai continué à faire ma tige. Vous voyez, hauteur que j'aime finalement, ça me convient très bien. Et puis un rabat très élastique, là, je remarque. Un peu en effet chou-fleur même. Donc voilà, c'était les laines. Ça, ce sont les laines donc du Bruit des Aiguilles que j'ai beaucoup portées également et qui vieillit bien aussi. Elle est vraiment très très douce, sa laine. Là, je me rends compte que c'est vraiment un vrai régal. Voilà. Hop, je vous montre un peu l'état en dessous. Donc bon, ça s'use, hein, c'est normal, mais vous voyez, pas feutré, pas rafistolé, raccommodé, rien du tout. Pas de trou, c'est parfait. Donc j'en ai fait une paire. J'en vous ai mis la deuxième paire parce que je sais plus, je n'ai pas noté quand est-ce que je les ai faites, mais c'est la même chose. Voilà, le bruit des aiguilles, un autre coloris. Hop, comme toujours. Alors moi je l'ai fait pas je l'ai fait pareil, pas pareil, c'est-à-dire que vous voyez, mes rayures, elles commencent pas. Alors. Attendez. On va faire les marionnettes chaussettes, hein, ça sera plus simple. Hop! Je ne cherche pas à faire commencer. Quoi que j'ai peut-être fait pour la première, je sais plus. Je ne cherche pas forcément à faire correspondre. Oh, il y a trop de lumière. Vous voyez, mes rayures, hop, voilà, quand je les cale bien, elles sont pas au même niveau. Là, j'ai commencé par celle-ci, par ce bleu foncé. Et là, elles sont commencées par le bleu clair.
Donc, ça fait des chaussettes vraiment pareilles, hein. Je veux dire, c'est la même laine, c'est les mêmes couleurs, tout ça, on reconnaît bien la paire, mais elles sont légèrement différentes. Et donc, ça veut dire aussi qu'au niveau du talon, hop, on a du bleu et du blanc, et ici, c'est entre bleu et bleu. Voilà, le talon, il se trouve pas au même endroit. Elle est vraiment douce. Donc c'est pareil, toujours là, des chaussettes qui passent en machine à laver sans problème. Je le sens, elle sent bon la lessive. J'utilise du Myrlène. Voilà, si vous voulez savoir, j'utilise Myrlène en machine. Ça fonctionne très très bien et elles vivent très bien. Voilà. Et ça, je sais plus du tout quand est-ce que je les avais tricotées, mais bon, je les ai mises avec l'autre paire qui va avec. Et si je me trompe pas, je dois avoir encore deux boulettes à tricoter. Du bruit des aiguilles qui attendent patiemment leur tour. Ensuite, j'ai tricoté cette immense paire de chaussettes. Alors, ce modèle, j'avais complètement craqué dessus. Il vient du livre 52 Weeks of Socks. C'est le modèle Toi, vos Arjus. Ah, vous avez vu le nom quelque part. Il est maintenant disponible sur Ravelry à l'unité au prix de 4,20 € en anglais. C'est une paire de chaussettes qui se tricote, ah bah oui, ouais, en cuff d'Inde. Donc c'est-à-dire qu'on commence par les côtes pour aller jusqu'à la pointe. Et voyez, en fait, la particularité de ce patron, c'est qu'on a ce panneau de dentelle qui commence sur le côté de la tige et qui tourne pour arriver sur le dessus du pied. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Donc là, je savais que j'allais partir sur une chaussette qui allait être grande, mais j'avais suivi le patron exactement comme c'était préconisé pour avoir ce détail-là, quoi, qui est vraiment très très beau. Bon, au final, je les porte pas beaucoup. Très peu même. Parce que ça fait des trop trop grandes chaussettes. C'est vraiment trop grand. Je pense qu'elles sont même plus grandes que mes violettes. Hop. Ah bah oui. Hop là. Vous voyez? Alors déjà que je trouvais mes violettes trop grandes, bah celles-ci, elles sont vraiment immenses. Hop! Donc c'est vraiment, voilà, c'est mon grand regret de ces chaussettes-là. Elles ont été longues à tricoter parce qu'en plus, ben voilà, ça fait une très longue tige. Et en plus, je les porte pas beaucoup. Mais elles sont vraiment magnifiques. Regardez-moi cette dentelle. C'est vraiment très très beau. Donc on fait toute la dentelle qui tourne autour de la tige. Et puis après, elle se met au-dessus du pied. Hop hop hop. Hop 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 hop. Et on finit par une pointe. Voilà. Et on a une jolie fin de motif pour faire pour arriver à la pointe. Et puis on fait la pointe. Et le talon, c'est un talon à gousset classique non renforcé. Sinon, concernant la laine, c'est de la Hedgehog Yarns. Non, je vous ai dit quoi là? Hedgerow Yarns. Voilà. Que j'ai vu dans mon calendrier de l'Avent que mon chéri m'avait fait, que j'aime beaucoup. Voilà, sur une base rose pâle avec des petits speckles de toutes les couleurs, plus du fluo. La laine, c'est une laine high twist et elle fait bien ressortir la dentelle, donc je suis vraiment contente. Par contre, je peux pas vraiment. Si je les ai portées un petit peu, vous voyez, ah, par contre, la laine ici, elle a feutré, elle commence un petit peu à feutrer. Voilà. Pourtant, je les ai pas portées énormément. Mais elle feutre, bah, j'ai l'impression que. Ouais, elle feutre un peu plus vite que les autres. Voilà, donc ça, ce sont du livre, les seuls, pour l'instant, la seule paire que j'ai fait du livre, mais j'ai prévu d'en faire d'autres bientôt. Donc voilà, ça c'est, vous voyez, bon, c'est vraiment trop grand. Chaussette suivante, donc ah, je vous l'avais peut-être pas dit, je les avais fait en mai 2020, celle juste avant. Et ensuite, les suivantes, je les ai faites en octobre 2020, c'était pour le cal. Ah, Sock in the Mug, où il fallait assortir comment on appelle cette chose là? Une tasse avec une paire de chaussettes. Voilà. Voilà. Et donc, moi, j'ai fait des petites choses. Alors, moi, je reste toujours. Donc, ce sont des renards à la base. Mais moi, je trouve que j'ai des parfaites chaussettes lama, franchement.
Mais c'est parce que c'est mon coloris qui faisait ça. Si je les avais fait orange et le contour des yeux blancs, on aurait fait renard. Mais bon, moi je trouve que ça fait chaussette. Donc c'est le modèle Fox in Socks qui se commence par la pointe. Hein, toujours un modèle en tout. Pop, pop, pop. On fait la pointe, on fait tout le pied. En fait, on fait toute la chaussette en jersey endroit. Tout simplement. C'est voilà. Du jersey endroit. On vient faire un talon en à gousset en renforcé classique. Voilà, on continue, on fait la tige, on fait les côtes, on vient faire les deux petites oreilles dans la continuité qui sont vraiment très très mignonnes et très faciles à faire. Et ensuite, avec son contrastant, on vient broder par-dessus les mailles les yeux. Voilà, la petite tête et derrière, on a une petite patoune. Voilà. Et moi, mon choix de couleur fait que je trouve que ce sont des lama socks et pas des fox socks. Mais bon, c'est pas grave. C'est un modèle disponible en anglais au prix de 3,72 €. Et j'avais utilisé en laine les deux font la paire de The Woolly Kind. Parce que donc, on avait un écheveau de 5. C'est comment? C'est 50 grammes? Ou 100 grammes? Je sais plus, bon bref, on avait un écheveau et puis son contrastant assorti. Et j'adore cette couleur, mais je l'adore. Oh, c'était Bonnie and Clyde, voilà, il me semble que c'est Bonnie and Clyde moi. Et j'adore, j'adore, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Donc voilà, et je ne les porte pas beaucoup parce qu'en fait c'est pénible avec les oreilles. C'est pas évident de mettre les oreilles tout ça dans les chaussures. Donc c'est pas celle que je porte le plus malheureusement. Voilà, juste parce que c'est un peu pas dans les chaussures. En fait c'est pour moi je porte beaucoup de jeans slim et en fait bah ça fait pas forcément très joli les petites oreilles. Donc je les porte que le soir quand je reste à la maison. Donc elles sont pas que à la maison. Donc, vous voyez c'est pas très très usé. Hop, si je vous montre, c'est comme les autres, à part boulocher un petit peu. Pas de fil, pas de trou, pas de laine feutrée, rien du tout. Et puis toujours douces aussi, elles sont vraiment très très douces, j'aime beaucoup. Et mais ce coloris, ouais, j'étais vraiment tombée en amour, je m'étais dit qu'un jour je me ferais un pull avec cette couleur, regardez. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Et enfin, on arrive sur la dernière paire que je voulais vous montrer pour cette vidéo. Je les ai très... Ah oui, je... Là, je vous ai montré octobre 2020 et on retourne complètement avant dans l'année. J'irai vers mars 2020. J'ai plus trop de souvenirs. Si, bah si, si, non, si, si, je les ai finis en mars 2020, j'en suis sûre. C'est un modèle de chaussettes que j'ai donc testé pour le magazine Voulez-vous, qui maintenant s'appelle Slow Magazine. C'est le modèle Agrippa qui a été imaginé par Yann Flex, donc Audrey Borrego. Elle se commence par ici. Elle se commence par cette bordure en dents de chat, hop, qui est très élastique. Vraiment, ça a été très bien fait. Et on a donc une dentelle ici, sur le devant de la chaussette. On a des petites lignes de My Torse, et il me semble que c'est en fonction du nombre de lignes, tout ça, c'est là qu'elle a pu jouer sur la taille des chaussettes. Et on retrouve donc la même dentelle sur l'arrière de la chaussette. On a un talon à gousset renforcé. Hop. Et ensuite, on a donc la dentelle qui se poursuit sur le dessus du pied. Et en dessous, c'est du jersey. Tout simple, classique. Hein. Et on vient faire une pointe. Donc voilà. Donc ça, c'est un modèle que j'avais donc testé en mars, que je n'ai pas pu vous parler avant, là, il y a peu de temps. Hein. Je vous l'ai montré dans un épisode de podcast récent puisque le magazine vient de sortir. Donc moi j'ai pu les porter, je les ai beaucoup portés l'an dernier sans jamais vous le dire. J'aime beaucoup, elles me vont parfaitement bien au niveau de la taille, elles sont vraiment top. Je les ai faites dans l'autre sens, c'est pas la méthode que j'ai le plus l'habitude et elles me vont très très bien. Pourtant c'est vrai que j'ai vraiment été très contente de ces chaussettes là. La laine à la feutrée, donc c'est la Mondine. C'est de la Mondine, voilà. Rétro. Rétro, je sais plus trop la suite du nom, mais voilà. De toute façon, j'ai fait l'affiche Ravelry maintenant, donc vous le trouverez les références sur Ravelry. Donc elle a feutré au niveau de la pointe, mais voilà, ça a feutré une fois, et puis maintenant, ça bouge pas du tout. Et ça a feutré aussi, si je me trompe pas. Ah, par contre, il y a des signes d'usure. Ah oui, j'ai des signes d'usure ici.
Au niveau là, je vois que la laine, elle s'est pas mal affinée au niveau du talon, par contre. C'est ma seule paire, vraiment, vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous montre des chaussettes, c'est vraiment la seule paire où j'ai vraiment, que je fais attention, je veille, parce que ça, c'est quand même pas mal usé au niveau du talon, et je pense que ça va finir par lâcher et puis faire un trou. Puis vous voyez, ça a bien feutré, hein, la pointe. Enfin bref, mais à part ce détail-là, la laine, j'en suis vraiment contente. Elle passe pas en machine, par contre, celle-là. C'est ma seule paire que je suis obligée de laver à la main. Elle passe pas en machine, l'Amandine, et j'ai pas voulu essayer parce que vu qu'elle avait déjà feutré là, je me suis dit, bah, en machine, je vais avoir une chaussette toute feutrée et ça serait dommage parce que je la trouve vraiment très très belle. La laine, elle est vraiment bien parce qu'elle fait bien ressortir, vous voyez, les mailles torse, la dentelle. Le motif, il ressort vraiment bien avec cette laine-là, donc j'en suis vraiment contente. Et ouais, je vois au travers, en fait. Bon, je sais pas si vous allez voir maintenant. Là, quand je les prends comme ça, je vois bien que on voit que le talon il est vraiment usé. Je sais pas si vous allez voir, mais moi je vois au travers. Voilà. À part ce détail que oui, elle s'est usée. Mais après, je les ai beaucoup portées aussi. Mais c'est vrai que par rapport à toutes mes autres laines, c'est celle qui s'use le plus. Donc, comme elle ne passe pas en machine et que vraiment elle s'est plus usée que les autres, c'est pas une laine vers laquelle je retournerai après. Je rachèterai parce que moi, pour l'entretien des chaussettes, je préfère quand ça va en machine. Et je crois qu'il faut que j'apprenne à retourner mes chaussettes parce que regardez ce qu'il y a dedans. Ah non, mais c'est quoi tout ça? Oh, à part que je regarde l'intérieur de mes chaussettes. Faut vraiment que je fasse attention hein, parce que il y a des petites, il y a des grosses bouloches à l'intérieur. Donc voilà, l'Amandine très agréable à porter. J'ai beaucoup aimé la tricoter, mais je trouve que voilà, elle s'est usée plus vite que mes autres chaussettes. Et comme elle passe pas en machine, franchement, ça c'est un point négatif pour moi parce que moi les chaussettes en hiver, bah, je les porte vraiment très souvent. Donc toutes les laver à la main, c'est long, c'est pas voilà, c'est pas possible. Je préfère vraiment, hop, je les mets en machine et ça fonctionne très bien. Donc l'Amandine, je reprendrai pas, même si j'en avais été vraiment contente pour cette paire-là. Voilà. Donc là, on a fait le tour. Ça ressemble plus à rien. Hop. Que je vous montre un peu. Voilà, j'ai fait un petit tas de chaussettes. On a fait le tour de mes chaussettes que j'avais tricotées jusqu'en année 2020. Donc voilà, j'ai vraiment un retour pour vous dire si je les porte, si je les porte pas, ce que si j'aime le patron ou pas. Donc on m'a demandé aussi au niveau du talon. Moi, sur toutes ces chaussettes-là, qu'elle ait un talon à gousset ou un talon en raccourci, ça me dérange pas du tout. Je les aime vraiment toutes. Le talon n'est vraiment pas quelque chose qui, comment dire, qui influence sur le fait d'avoir envie ou non de porter la chaussette. Non, je, excusez-moi, j'essaie de ranger en même temps, tant qu'à faire, ça me fera gagner un peu de temps. Donc voilà, le talon, c'est vraiment pas quelque chose qui va influencer sur mon choix de chaussette. Si aujourd'hui j'ai envie de porter une chaussette, je vais pas regarder quel talon elle a. Par contre, la longueur de la chaussette, oui, ça c'est vraiment devenu quelque chose, un critère important pour moi. Si elle monte trop haut, bah, je vais pas les prendre. Je vais pas, c'est pas celle vers lesquelles je vais tourner. Sauf si c'est une journée où on reste en pyjama à la maison. Bon, bah là, je vais prendre une paire de chaussettes hautes. Ou alors de ce fait-là, je les porte le soir. Voilà, parce que en dessous du pyjama, ça passe bien. Donc c'est vrai que mes chaussettes qui montent, je les privilégie pour le soir quand je les. Voilà, juste après, voilà, quand j'ai pris ma douche, que je suis en pyjama, que c'est bon, on est tranquille. Je vais privilégier ces chaussettes-là parce que comme je sais que je les porte pas la journée, je me dis, ben, je vais quand même. Faut que je les porte à un moment, donc je les privilégie pour ce moment-là. Voilà. Et sinon, la pointe, c'est vraiment la technique que je préfère parce que c'est. Je sais pas, c'est la technique que je préfère, c'est celle qui me permet vraiment d'ajuster au mieux la quantité de laine, surtout quand j'utilise des boulettes, le bruit des aiguilles, c'est 50 grammes. Donc c'est. Voilà, quand on a fait tout son pied, on sait combien. On fait tout son pied et après on peut tricoter voilà, la boulette jusqu'à la moitié, jusqu'à 25 grammes. Et comme ça, on sait que tous les 25 grammes qui restent, on arrivera à faire la deuxième chaussette identique. Voilà. C'est un peu plus compliqué, je trouve, de jauger la quantité de laine quand on les fait des côtes vers la pointe. Et quand je fais donc des chaussettes qui vont des côtes vers la pointe, parce que voilà, c'est pareil, si un modèle me plaît et qu'il est dans ce sens-là, bah, je vais le faire. C'est pas, voilà, c'est pas non plus un frein total pour moi. Mais dans ces cas-là, j'ai privilégié d'avoir 100 grammes de laine
plutôt que juste 50 grammes. Comme ça, je suis sûre d'être large et d'avoir assez de laine et puis de pas être stressée pendant mon tricot. Voilà, je sais que j'aurai la quantité de laine nécessaire pour le faire. Donc voilà, je vous ai un peu parlé de tous les patrons. Moi, j'ai jamais trouvé ça compliqué de faire des chaussettes. Il y a plein de tutos sur internet pour faire les talons. C'est vrai que j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais bloqué. Dès ma première paire de chaussettes, ça s'était bien passé. Donc après, une fois qu'on a compris comment elle se fait, une fois qu'on a fait une paire de chaussettes dans un sens et puis dans l'autre, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire les autres chaussettes. J'ai pas vraiment un patron plus qu'un autre à vous recommander. Comme je vous ai dit, j'ai commencé avec les sockets de Ginette d'un petit bout de laine. Et puis voilà quoi, après j'en ai fait plein. Si le livre que je peux vous recommander qui est vraiment bien expliqué, c'est Tricoter ses chaussettes, toutes ces techniques. Hein, si vous avez vu toutes mes vidéos avant, je vous en parle souvent. Mais vraiment voilà, si vous avez peur de vous lancer dans les chaussettes, prenez ce livre-là. Franchement, c'est une pépite et ça vous aidera beaucoup. Voilà, hop, j'essaye de ranger mes chaussettes dans leur panier. Hop, tourne-toi là, toi. C'est pas gagné. Hop! Voilà. Si. Donc voilà. Ça va pouvoir retourner dans le placard. Donc j'espère que cette petite revue sur les chaussettes vous aura plu. Voilà, que vous avez peut-être découvert des nouveaux modèles ou d'autres laines. Bon, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!